أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين شيخ رجيسر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نفور مسيون les abonnés de la chaîne La Porte des Secrets du Coran. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un secret pour se marier avec la personne voulue. Se marier, je dis bien se marier avec la personne voulue. Si vous avez une fille visée que vous voulez vous marier avec elle, je n'ai pas dit pour s'amuser avec elle, j'ai dit bien pour se marier avec la personne. Si vous avez un homme aussi que vous visez et que vous voulez vous marier avec cet homme-là, vous pouvez aussi pratiquer cette recette-là, Inch'Allah. Ça marche pour les deux côtés, Inch'Allah, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Alors, ce secret-là, il a été approuvé plusieurs fois. Moi-même, je le pratique, je l'ai pratiqué plusieurs fois pour des gens. Et ça marche énormément. Donc, vous pouvez pratiquer cette recette-là pour charmer ou bien dompter l'être aimé. Inch'Allah, c'est 95% de réussite. Inch'Allah, 95% de réussite. C'est rare que ça rate parce que vous savez, les gens sont de différentes qualités. Alors, Inch'Allah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire le katim que vous voyez sur votre écran actuellement. Vous allez l'écrire en 3 exemplaires. Ces 3 exemplaires-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, au milieu de la case, vous mettez votre vœu. Comment vous voulez que la personne soit avec vous? Comment vous voulez que la situation se déroule entre vous? Vous mettez tout à l'intérieur, que ce soit en arabe, que ce soit en français. Ça marche dans toutes les langues. Allah, subhanahu wa ta'ala, comprend toutes les langues. Il parle toutes les langues. Puisque c'est lui-même qui a inventé toutes ces langues-là. Donc vous pouvez mettre le mourad dans n'importe quelle langue que vous voulez. Ensuite, vous allez plier ces 3 petits papiers-là. Hein, vous écrivez ça sur 3 bouts de papier. Et vous allez chercher maintenant, vous allez plier ces 3 petits bouts de papier-là pour faire un talisman. Mais on n'attache pas avec des fils. Vous pliez simplement et vous allez chercher de la viande fraîche. 3 morceaux de viande fraîche que vous allez introduire un papier dans chacun des morceaux de viande. Et ensuite, vous allez maintenant chercher une chienne. Si c'est un homme qui veut une femme, il cherche une chienne. Si c'est une femme qui veut d'un homme, elle cherche un chien. Alors, vous donnez la viande à l'animal. Une fois que l'animal a mangé les 3 morceaux, vous vous retournez et vous rentrez chez vous à la maison. Alors, arrivé à la maison, vous faites des bénédictions pour vous, pour que la fille soit à vous ou l'homme soit à vous. Et j'aimerais signifier quelque chose. Sur le Khatim, il y a une partie à votre droite où ils ont écrit « Wal khaytu alayka mahabbatan minni ». Il y a une case là-bas où ils ont écrit « Ismuha wa umiha ». Vous devez écrire là-bas le nom de la personne plus le nom de sa mère. Inch'Allah. Vous devez écrire le nom de la fille ou l'homme là-bas et le nom de sa mère, Inch'Allah. Nous vous prions toujours de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos vidéos prochaines. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.